Ouh, le critique. J'attendais plus à Colosse qu'au coup critique, mais ça passe quand même. Oh, le critique. Merde, je suis gouré de cible. Et ça, c'est pas bon. Bon, ça a vite fait commencer par un reset, apparemment, hein. Encore. Pas ces dégâts.
Ça serait beau qu'il loupe un coup, Ah, mais ça m'étonnerait. Oh, Brahim a esquivé. Dans tous les cas, il survivait, même s'il n'aurait pas esquivé. Ah, le point de vie. On parle ou pas? Bon, je suis face à un petit problème en hauteur, hein. On va espérer qu'un certain truc du nom de Pléo s'active. Hein? Pléo, ça serait bien que tu l'actives, hein. Ouais, en gros, c'est va te faire foutre, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il me manque un dégât sur ce bâtard. C'est pas énorme, juste un dégât, mais c'est trop. Ah, le point de vitesse qui fait plaise. Aïe.
Dans tous les cas, je le tue. Ne t'inquiète pas trop pour Mia, elle a de l'esquive et de la résistance. Ok, c'est Boy qui prend tout dans la gueule. Et fléau, non, fléau ça existe pas. Non, je sais pas, les techniques de mes comparses, ça tue jamais ou quoi? Le mec il fait un coup critique à 2, 25 x 3, ça fait quand même 75. Donc dans tous les cas il me one shot mon hike. Hein. En même temps si tu me sors un coup critique à 2% et que t'es un mage, je pleure ma race. Et je peux ma unlock sur la RNG. Ouais, magie sert à rien. J'aurais préféré un point de défense. Avec ce qu'on a. Ouch.
Oups, loupé. Bon. Non mais sérieusement, coup critique 57. Non mais putain de RNG de merde. Putain de RNG de merde. Et lui, il sort un coup critique aussi. Ah, pour bien m'enculer. Sérieusement, putain. Ah, elle commence à m'énerver cette map. Putain, j'ai une RNG de merde quoi sur les coups critiques. Non, sérieusement quoi, le coup critique 57 one shot, ferme ta gueule. Ok, d'accord. Ah putain, c'est de l'abus quoi. Léo, tu me préviens quand je tu voudras t'activer, hein. Tu me préviens. On se fait une bouffe et tout ça, hein, si tu veux. Hein. Non, parce que depuis le temps que je reset cette map, j'ai jamais vu déclencher Fléau. Et pourtant, j'ai recommencé un certain nombre de fois cette map, hein. Mais c'est toujours pas sorti. Je suis pas assez bien pour toi, Fléau, c'est ça? Ah non, Andrei, mais évite de sortir des critiques, tu vas commencer à me faire peur. Si toi tu sors des critiques, imagine pas les ennemis. Hein. Évite, s'il te plaît, ne porte pas la poisse. Allez, direct, one shot. Moi, j'ai le droit de one shotter les mobs. Mais eux, ils ont pas le droit. C'est pas juste un critique qui one shot. C'est pas juste. Thank you.
Bon, on va me louper à 90 de précision ou pas? Stellaire ou pas stellaire? Critique ou pas critique? Stellaire. RIP la hache. Dommage. Ah, c'est dommage. Elle était pas si puissante pour le one shot à coucou. Oh, le point de défense qui fait plaise. Bon, maintenant c'est parti pour le nettoyage Ike. Ouh, un critique. Waouh. De dégâts, mec, tu m'as fait mal. Merci pour la régène. Tu repasseras.
dommage. Bon, maintenant, au lieu de régénérer 17 points de vie, elle va en régénérer beaucoup plus. Adepte ou pas adepte? Adepte. Lady Oscar. La nana. Mais je réussirai à passer cette map un jour. Non, parce que me faire troll par les coups critiques, ça commence à me péter les couilles personnellement. Courir 90% des cas sur coups critiques. T'es assez pas de couilles en soi. J'ai envie de te dire. Allez, smash. Smash critical. Respecte-moi, Manon. C'est sûr qu'ils avaient visé elle, hein. C'est la seule qui attaquait pas à distance. Et Fléo, un jour, tu comptes t'activer, sérieusement? Au revoir, l'archer. Au revoir, le mage. Même si tu vas me faire mal. Ou pas. Je crois que vous avez une dent contre Baiters. Et Fléau, putain! Ah, elle m'énerve! Ah, pas activer Fléau, c'est pas de cool. Bon, toi, tu te déplaces. Ok. One shot.
Non mais cherche pas mec, 0 x 3 ça fera toujours 0 hein. Quel que soit dans quel monde on se trouve, 0 x 3 fera toujours 0 hein. Le level de merde. Bon, bon, bon. Ouch. Non, le mec il a pas un putain d'arc létal quoi. Ça le pire. Salut Phila. Après c'est Amazon qui décide de plus qui passe, donc après pas pourquoi ils font la promotion d'un film. Après pose pas plus qu'il comme ça avant. Ajouter sur Discord. Normalement. Je suis un mien, après j'ai peut-être oublié de le faire. Non, normalement je t'ai ajouté. Oui, je t'ai ajouté normalement. Je sais même si je fais ou pas. Ouais, ma mémoire de merde. Ouh, rip en paix, mec. Aïe. Oui, oui. Non, mais justement, j'avais un doute. Non, mais j'avais un doute en fait. J'avais un doute, Phila. Un doute s'était immiscé dans mon esprit. Bon, on va-t-elle faire CR ou un coup critique ou juste de coup normal? La question avec Mia. Je sais pas, mais en fait ça fait je sais pas combien de temps que je suis bloqué sur chapitre parce que je me fais troller par un coup critique à un moment ou à un autre. Je me prends un coup critique, il me one-shot un de mes persos et donc je dois retry la map.
19 et 19, ça fait 38. À moins qu'il t'hésite, là, on te faire chier. J'espère, j'espère que c'est la bonne. J'en ai ras le cul cette map. Non, non, tu l'as même pas suggéré. Ah! J'ai juste un épuis acier donc F. Il me reste qui à bouger, les deux là on s'en bat les couilles. Waouh, t'es réussi à me faire des dégâts mec. Tu vas me toucher. D'ailleurs, vu qu'il fait que d'esquiver, mon sereine. Ah, t'as préféré attaquer elle. Ouais. Si Fléau s'activait, ça m'arrangerait, personnellement. Ouais, bien sûr, ça s'activera jamais, hein. Eh bah bonne chance, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bon, vu que j'en ai marre de reset cette map de merde, on va faire une petite sauvegarde. Étant donné que la sauvegarde bataille de ce jeu est pétée. Alors même si je reprends ma sauvegarde, ça me fait pas quitter la map et je peux la reprendre autant de fois que je veux. Parce que j'en ai marre, quand c'est... Ah merde, je viens de débrancher mon casque. Ouais, level up de taré. Merci Boyd. Oscar du moins. Oh, y'a là le câble. Ah mais l'araignée va pas planquer derrière mon écran, je peux pas te tuer. L'araignée, reviens là petite peine. Je dois te tuer.
Je l'ai eu ou je l'ai pas eu? Je l'ai eu. Voilà! Je déteste avoir une araignée dans mon champ de vision quand je joue. Allez, venez les archers que je délire. Venez affronter mon hike. Non, c'est chiant les araignées. Du moment où je les vois pas, elles peuvent vivre leur vie en paix. Mais si je les vois, surtout si je les vois grimper autour de mon mur où il y a mon ordi, je suis obligé de les tuer. Je suis obligé, ça m'énerve de voir un truc bouger. Je déteste avoir un truc qui bouge dans le coin de l'œil. Waouh! C'est celle de dégâts, mec. Eh, je contre-attaque pas? Ah, mais oui, merde, j'ai l'étard! Putain, j'ai oublié de lui récupérer de la ragnil. Oh, le con. Regarde, mec. Si, j'ai du respect envers les araignées, mais pas quand elles viennent me faire chier. Elles peuvent faire leur vie où elles veulent du moment qu'elles me font pas chier. Donc du moment qu'elles restent planquées. Ouais bah Ike, en même temps lui... Les level ups sont pourris, hein. À l'heure actuelle, il est tellement pété de base que le jeu se fait même pas chier à lui donner de bons level up. Bah, Soren est légèrement pété en fait. Soren est légèrement pété. Défense entière, résistance 27. Plus faisceau, plus une vitesse, plus qu'il a une esquive assez grosse. Il a une force de 20, le mec. Il est juste pété, mon Soren. Pas d'autres qualificatifs pour le qualifier. À part le mot pété. Voilà. Soit l'active adepte, soit il active faisceau en temps général. C'est très rare où... Bon, il y a des fois où il active aucune compétence, mais bon. Donc le mec, il peut tanker. Parce qu'il a une bonne esquive, il encaisse bien sur les deux plans. Et peut éventuellement se régène. Grâce à le faisceau. Si tu me sors un coup critique à 1%, je suis deg. Tâche-le. Fait 12 de dégâts. De dégâts, bah 16 plus 12 ça fait 28, donc ça passe. Non, il bougera pas de sa place. C'est bon, mon heal craint que dalle. Ah merde, ça c'était pas prévu qu'il puisse attaquer là-haut. Bon, je m'en fous, elle peut crever, je m'en bats les couilles. Ah tiens, il passe du côté.
Elle peut crever, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Bonne utile que je coûte. Donc toi t'attaques à distance, un petit coup. Ok. Le max de quoi? Tu parles de quoi en fait, Phila? Non mais... C'est qui le max? Non mais le max de quoi en fait? Tu parles de quoi en fait? Je comprends pas de quoi tu parles, Phila, en fait. Tu parles de quoi en max? Hein? Il y a écrit max sur un perso? Out? Out? Max? Sur quel perso? Parce que là je comprends pas en fait. Le max. Ah bah oui. D'accord, d'accord, je viens de comprendre, d'accord. Ah, c'est parce qu'il peut se transformer en version animale. C'est les laguses. Les laguses. Dans les opus là, c'est pas des pierres en fait. C'est une géouche qui se remplit quand tu prends des coups avec le temps. Et tu peux te transformer. C'est vrai que toi, vu que t'as jamais fait, t'es habitué aux baisse pierres et tout ça, et les draco pierres. Ah mais moi je suis tellement habitué à le voir que je m'en rendais pas compte de l'écriteau là. Ah il fait 24 de dégâts, ça m'arrange pas. J'aimerais bien achever le mec avec quelqu'un d'autre en fait. Au pire j'utilise... Et j'achève avec Oscar. Ouais le point de défense. Au moins un point de défense c'est mieux qu'un point de chance hein. On va pas se plaindre. Ça aurait pu être pire. On va pas se plaindre. Ah mais j'ai prévu que tu vas attaquer à distance, mec. N'est-ce pas, Oscar? Ça serait bien que je me régène un petit coup. Enfin, si je pouvais presque, je pourrais envoyer que Ike faire tout ce qu'il veut. Il pourrait soloter la map quasiment, Ike. À part quand il y a des mages, car les mages lui font mal. Allez, on va arrêter de génocider tout le monde, hein. Ike, t'as vu le gars tout musculeux qui est Ike et tu vois la crevette qui est Alm? Je m'excuse mais il n'y a pas de comparaison possible hein. Il n'y a pas de comparaison possible hein, tu m'excuses hein mais... C'est pas que j'aime pas Alm mais... Voilà, entre un mec qui a corpulence d'une crevette, on a Ike, voilà... Voilà, hein, c'est pas pour être méchant, hein, mais...
C'est eux que j'attends depuis le début. Oui, mais en même temps, Gilles, je vais t'apprendre un truc. Elle est que d'unité de rang 2 en fait. Dans ce jeu, et tu peux aller, il y a 3 niveaux de classe. Elle est juste de rang 2 et juste niveau 10. Donc en fait, elle est à mort en retard dans le jeu parce que tu l'as au tout début du jeu, puis tu la récupères qu'à la fin du jeu. Donc j'essaie quand même de l'entraîner. Ah ouais, lui il ferait mal. Je peux pas me permettre de faire ça. Le mec il a zéro de précision lol. Bien avoué que t'es nul mais quand même mec, zéro de précision. Respecte-toi un peu quand même l'ennemi. Bah espion c'est la dernière classe justement de voleur. En fait t'as voleur, assassin et t'as espion si je me souviens bien. Quoique non en fait dans celui-là c'est voleur escroc, c'est escroc le deuxième rang. Et après t'as espion. Mais espion c'est équivalent d'assassin en fait. À cause de la technique fléau qui fait le même truc assassin. Sauf que fléau ça laisse 1 HP à l'ennemi. Oui quand même, oui. En plus elle est pétée elle. Hein, parce que 34 de vitesse. Je lui ai mis une technique. Absorption. Restitue à chaque tour autant de points de vie que l'unité a de points de magie. Chaque tour elle se régénère 18 points de vie. Elle a 22 de défense et 20... Et 23 de résistance, elle tank, tout, elle peut tanker. On est en bonne esquive. C'est juste que ses armes de lancer sont un peu pourries. Elle fait pas beaucoup de dégâts à distance. J'ai des chances de le louper, c'est intéressant. Le mec, il est intéressé par le fait de louper, quoi. L'autre, il a du soutien, comme ça. Bah, espion, c'est pas mal, hein. C'est le même principe qu'assassin, c'est juste que... Voilà. Elle est bien que tu vises réel. Mais bon, j'ai l'esquive. Vu que je suis en hauteur. Et elle fait pas de dégâts avec ses armes de lancer. Elle fait des dégâts au corps à corps, mais avec ses armes de lancer, elle fait rien. C'est abusé. Je suis pas pressé pour tuer, mec. Hein. Je dois farmer les tomes devant avec lui, donc. Non, j'ai une technique qui ressemble à meurtrier. Et c'est fléau. Ça laisse un point de vie. Peu importe la défense du mec, ça laisse un point de vie si ça se déclenche. C'est pour ça que je l'avais reculé, lui. Ouais, je suis pas pressé, hein. Ah, c'est pas Pokémon. Ouais, le point de force qui fait plaisir. Ah là, c'est exactement ça. Après, c'est Gilles qui profite. C'est tout à fait ça. T'as tout compris.
a deux compris à ce principe. Et voilà. Adepte. Rien qu'attaquer en haut, elle profite parce qu'elle gagne masse d'XP. Tellement elle est en retard, la meuf, elle gagne masse d'XP, quoi. En tous les cas, elle profite, là. Pour elle, c'est XP gratuit. Ouais, bah si tu fais des levels comme ça, on va pas s'entendre, ma petite, hein. Le changement de classe. Fais gaffe quand même que le mec puisse pas traverser là. Du moment qu'il n'y a pas de mage en face, Harry s'en bat les couilles. Ah, j'ai tout mon temps là, mec. Sache-le, j'ai tout mon temps, j'en ai rien à foutre. Faut que je ferme pour qu'il... Ah bah voilà, la petite régène qui passe. Merci. Au revoir. C'est bon, tu gagnes. Défiler la poêle, c'est ça? Le point de récent, ça fait toujours plus dire pour lui. Bon, maintenant, je vais faire mumuse avec tous les mecs qui traînent en bas, là. Même lui, il va pouvoir se donner un cœur joie. Bon, Ike, on va l'éviter de faire taper dans le tas, hein. Ah, un peu trop de dégâts, mon... gueulera un peu trop tout le monde. Ah, moi, je prends mon temps sur cette map. Là, c'est du gros grugeage d'XP, ça. Pour XP tous mes personnages. Ah, bah oui. Le point de vitesse, hein, qui fait plaisir, quand même. Et bien qu'il lâche un jour. Boum. Au revoir, vous êtes le maillon faible. À la fin, j'aurais plus d'armes à distance, mais... Y'a plus personne qui peut attaquer à distance dans Flo. Ça, je peux XP ma heal.
Mais si vous étiez pas con, vous mettrez tous en belle ligne droite pour que je puisse tous vous taper. Juste pour que ça aille plus vite. Arc, il se solote la zone là-bas. Arc, il s'en bat les couilles, je solote la zone à gauche. Le talent. Le talent pourquoi? Non, non, ça existe pas, ça. Ah bah voilà! Et bah voilà, là, il y a des mages, là, on va se faire plaisir! Une horde de mages! Connais qui vont farmer les mages, attends, toi. T'as une bonne résistance? Mais oui, t'as une bonne résistance. Ouais, mais t'as lui déjà qu'il faut que je viole, parce que là, il est dangereux. Genre, hop. Parce que ce mec, sinon, il va me violer ma pauvre petite miste et je vais pas apprécier. Oh, le farm qu'il y a ici! Bon, j'y suis pendant un bon moment sur cette map, je crois. Je crois que j'y suis pour un bon moment. Là, nous avons l'unité anti-mage. Il y a la sauvegarde bataille pour ça. Si je fais une sauvegarde bataille, il n'y a aucun risque. Tellement bien le principe, t'es hunter, t'es sûr de toucher alors que les autres, bah. Ouais. Je vérifie le côté là-bas. Voir s'il n'y a pas un connard qui peut pousser. Et s'il commence à passer derrière mon dos, je l'ai un peu dans le cul. J'ai envie de te dire. Faut que je fasse gaffe à ses points de vie quand même à lui. Un peu en mode infini, mais quand même. Oh, le critique a 3 de dégâts. Mon dieu, j'ai mal. Ah, c'était sûr que vous allez viser lui, hein. Vous lui faites du x2. Mais je comptais sur mes chances d'esquive. Ah! Ah, ça c'était pas prévu. LOL. LOL. Ah, c'était pas prévu par contre. Ah ouais, carrément 2 sur elle. C'est bâtard. Ah, c'est un laguse, c'est un laguse de type chat, et les laguses de type félin n'aiment pas le feu, c'est leur point faible. Normal qu'il s'est fait violer. Et vu que je l'ai pas transformé, bah il prend cher. Bon, on va détruire le mec à la magie qui fait à mort dégâts à distance, hein. Waouh. Là, le jeu va falloir te calmer, là, je crois.
crois que le jeu va falloir te calmer un minimum là, je crois. Là, va falloir te calmer. Phila, le but de la map, c'est de détruire tous les ennemis qu'il y a sur la map. Je ne peux pas me je peux pas finir la map si tout le monde n'est pas mort. Donc je suis obligé de tuer tout le monde. Je suis obligé de tuer tout le monde, en fait. Le but du jeu, c'est décimer l'ennemi, c'est pas tuer le boss. C'est du moment qu'il reste un mob sur la map, je ne peux pas la finir la map. Là, t'es un peu dangereux avec ta météorite, hein. Tu ne peux rien faire, je suis Keblo. Tant qu'il reste des gens sur la map, je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. J'ai su, je l'aurais acheté une autre épée vent, elle. Je pensais pas qu'il y avait tant de renforts. D'habitude, je suis mort avant. J'ai jamais vu autant de renforts. Je suis jamais allé aussi loin sur la map. Oh, mais il y a du people. Ta mère la pute, il y a du monde. Ouais, mais c'est pas grave, t'as Aïe qui tank. T'as Aïe qui tank comme il veut, donc Osef au pire. Ah merde, elle fait passer des dégâts sur le mec là. Bon, en fin de compte, j'ai peut-être entraîné l'autre connard. Attends, peut-être pas, non. Ça peut être dangereux. Bon, j'en ai rien à foutre. Je vais, Allez, elle se régénère 20 points de vie à chaque tour maintenant, elle. À base, lui, je veux pas l'entraîner, mais bon. Ça permettra d'aller un peu plus vite. Éliminer tout le monde. À la base, je voulais pas t'entraîner, mais bon. Je crois que c'est le moment de farmer pour mon portage de hache, hein. De lance, je veux dire. Heureusement qu'il n'y a pas de mage du côté là-bas. Heureusement qu'il n'y a pas de mage. S'il y avait des mages du côté là, mais Ar, il serait tellement dans la merde. On m'explique pourquoi Anarchie est venu au corps à corps. Pas que ça m'arrange, comme ça je lui mets les trucs à distance et je pète tous les mages en premier. Ah, ça je m'y attendais. Bon bah au revoir. Hein. Par mode. Hein. C'est sûr que tu te prends du x2. Ouais. Ah non, il résiste. Il résisterait du x2. Ou pire, t'as... Si c'est des mages qui rappuient, t'as lui qui tank tous les mages au monde. Oh, le bon level. Allez, un point de résistance en plus. Ah non, mais Tormod il peut crever, je m'en bats les couilles en fait. Hein. Tormod il peut crever, je m'en bats les couilles. C'est pas une unité que je compte XP. Je l'ai juste mis là pour que ça accélère un peu le processus d'éliminage. Hein. J'ai juste mis là pour que ça accélère le processus. Hein. Je m'en bats les couilles qui crève. Hein. Sérieusement. Hein. Je m'en bats les couilles. Il est pas prévu dans mon roster de personnages pour la fin.
Ah, pour farm ici. Lui et lui. Tous les autres, je peux pas les laisser crever. Ah oui, je l'ai pas transformé. Normal que je prenne cher. Et c'est pour ça que j'aime pas les lagus dans le jeu. C'est que s'ils sont pas sous forme transformée, c'est des sous-merdes. On viole. Ok, à toutes. En fait, si je voulais, j'envoie juste Ike au milieu de la zone et il viole tout le monde. J'ai juste envoyé Ike et ça viole tout le monde, en fait. J'en avais tellement envie. Faire un petit... Là. Dégager les mecs de la zone là. Mais c'est pas lui que je voulais soigner. Ça va être très long à finir cette map. Très très long. Bon, on va faire une sauvegarde hein, parce que là je suis bien loin dans la bataille. Ça me ferait chier de recommencer à ce stade. Merci pour la régène gratos. Ah, il manque un dégât, donc autant. Achevé. Là, ça serait kamikaze, ça. Bon, on va utiliser un peu Hulk hein, pour un peu égaliser toutes ces herbes. Là, il y en a un peu trop, là. On va un peu commencer à égaliser tout ça, hein. Ah, mais ça peut rater aussi lamentablement... Tu repasseras, hein.
Ah, tu m'étonnes que lui se prend souvent des critiques par les archers. Ils ont 11. Il explique pas mal de trucs.
Le sommeil qui l'oublie jamais. Ce qui fait chier, c'est que j'ai pas de truc pour réveiller Ike. Donc pour l'instant, Ike est pas utilisable. Non, toi, tu crains trop les coups critiques, toi. Bah, bah non, toi, tu vas te faire tuer. On peut éviter de te faire tuer, on va quand même essayer de l'éviter. Pendant combien de tours? Ah, carrément! Sommeil, ça dure 5 tours encore. Ok, d'accord, les bâtards. T'as un peu pété quand même, sommeil, hein. Rien que je vous ai fait bouger, c'était pour vous faire attaquer d'autres personnages que Ike, hein. Même pas besoin de te faire chier esquiver, faites tellement pas de dégâts. Le mec il est endormi, vous pouvez même pas tuer un mec qui est endormi les gars. Contemplez votre impuissance. Vous êtes tellement faible que vous pouvez même pas tuer un mec qui est inconscient. On en parle ou on en parle pas? Bon, c'est quand que tu passeras en S des tomes devant. Du moins, rang S+. Ah, bah dans pas longtemps, apparemment. La barre est bientôt pleine. Un truc par rapport au task. Ouais, c'est un haut taux de coup critique le task. Ok, d'accord. Joseph, je mets le mec qui a la deuxième meilleure constitution du jeu. J'aurais dû lui mettre le javelot parce que là il va pas pouvoir achever.
Ouais. La bouche balle, crois pas achevé. Et... Arc de Rolf, ça passe pas. Ah là, changement de classe. Maître Arc. Ça devient un peu mieux avec ça. C'est quoi ta compétence de Maître Arc? Et vif, triple les dommages et endort l'ennemi pour une maîtrise Arc. Ah! Intéressant! Bah, il a un grand arc lui! Ah ouais, il a un grand arc! Ok, c'est un bâtard. Ouais, donc là, Mia en fait, elle est en position un peu merdique. Hein. Ah, j'ai failli t'oublier, toi! Excuse-moi. Voilà, je t'achève. Bon, je vais attirer le mec au grand arc, hein. J'aille le buter. Au tour d'après. Ah oui, c'est vrai qu'il peut heal. J'achève pas, il heal, c'est vrai. Bah oui, t'endors hard ce coup-ci, bah ouais. Il peut pas arrêter son sommeil? Non, parce que là, pendant 5 tours, je suis bloqué à rien foutre, en fait. Hein. Bon, je m'en fous, je prends pas de dégâts. Au moins, je tanque. Au moins, le mec, il va épuiser ses sorts. Hein. Il y en a un autre qui a un sommeil, rien que pour faire chier, ou pas? Non, lui, il a passe, lui, il a flash, lui, il a silence. Bon, les autres n'ont pas, apparemment. Mais c'est quoi la portée de sommeil? Magie divisée par 2, il a 25 de magie. Donc, allez, on va prendre 13 cases. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Bon, on va faire endormir Murahim, il servira à quelque chose au moins endormi. Ça fera utiliser la dernière utilisation du bâton. Je suis pas le choix, je suis obligé d'attendre, je peux rien faire. Je suis obligé d'attendre. Si je passe pas le truc du sommeil, bah je suis keblo après. Voilà. Comme c'est une unité dont j'en ai rien à foutre, tu peux la faire pioncer. M'en bats les couilles de Mugrey. Voilà, maintenant il a plus de bâton de sommeil. Ah non, je peux avancer. Tu pourras faire tous les critiques au monde, mec. Tu feras toujours zéro de dommage, hein. Ah, lui qui me fait peur, je sais pas s'il va bouger ou pas. Je sais pas qui envoyer parce que j'ai peur en fait. J'ai peur de ce qu'il peut faire. Mia, t'es où? Mia. Merde, elle est où cette conne? J'ai perdu une unité là en fait. Mia est où? Attends, Mia est pas morte? Ah non, c'est vrai, je l'ai sauvé. Oh le con, putain. Mais merde, j'ai dit merde, elle est où Mia? Bah oui, merde, j'ai oublié que je l'avais sauvé tout à l'heure. Oh le con, oh putain, je me suis fait peur.
Oh le con. La map la plus longue au monde. Il y a tellement de renforts que t'es obligé de passer 3 plombes. Ah putain, je suis heure. Mais merde, elle est passée où ma Mia? On va faire une sauvegarde avant de l'avancer, hein. Si jamais si elle crève comme une conne. Je recommence pas toute la map parce que là, à mon avis, je rage quitte le jeu, je le finis pas là. En live. Non, j'ai déjà fini le jeu, c'est ça le pire. J'ai déjà affronté le boss de fin. Ok, c'est lui qui bouge. On en parle, joue un trou béant dans ma défense ou pas? Ah, ça fait du bien de pouvoir en faire rejouer Ike là. Putain, c'était pas de couilles. Allez, au revoir, mec. Tellement pété, c'était l'air. Oh, le level parfait. Oh oui, Mia, ça c'est beau, ça c'est un beau level, ça. Pour pas que tu te fasses régène, mec, hein. Je m'excuse, mais je t'achève. Moi, bon, juste en avoir une petite voir vos sales gueules. Ah bah oui, on va commencer un peu à bouger parce que là, pas que je commence à m'emmerder grave, mais quand même là. Obligé d'attendre que le Ike se réveille pour pouvoir faire quelque chose, quoi, un minimum, quoi. Non, parce qu'avec sa lance létale, il me fait peur, le mec. Ah oui. Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie, attack Boyd. Ah, il a une hache courte. Là, t'as quoi? Un marteau? En plus, c'est un critique. La priorité aux archers. J'adore son critique. Le mec, elle l'envoie en l'air. Pouah, elle le rabat comme une... comme un smash dans le volleyball. Ça me fait toujours triper cette animation. Le marteau que je voulais. Est-ce qu'elle a assez de casse pour reculer après? Dans le doute. Il se loupe au pire, c'est pas grave. Bon bah il se prend pas, hein. Activation de technique, tu te prends pas. Si t'achèves pas le mec, ça m'arrangera. 24 et 24, ça fait 28. Et bon, t'achèves.
Bon, c'est quand Hype tu gagnes des bons levels. Non, parce que là, tu gagnes un point de stat par un point de stat. Hein. Or, t'as rien maxé encore. Lui. Ah non, une lame tempête. En plus, je peux la dropper. Ah bah tu me fais des dégâts, j'ai plus la Ragnil qui me rajoute 5 de défense. Hein. Mais bon. Un détail. Ah bah voilà, lui c'est aussi réveillé de sa torpeur. Vas-y, fais top les Mia. Y'a un mec avec un marteau, je m'emmerde pas. Hein. En plus, c'est des mages. Ah, elle fait pas assez de dégâts. Ah si, avec la hache héros, elle fait largement le taf. T'inquiète pas, je garde l'utilisation de la hache héros pour la toute fin. Hein. Elle a déjà. Elle a déjà maxé. Une lame tempête, ça a combien de dégâts? Ah, 18 de puissance quand même. Oh mais oui, mais tu mets une lame tempête à qui je pense? À Mia? Et peut-être qu'avec ça, elle pourra tout dégommer à distance. J'ai encore débranché. Elle est bon. Hein. C'est quoi ce putain de câble qui fait que se débranche? Il est à peine dessus. Sans le vouloir en plus. Ah ouais, une lame tempête, tu mets ça aux épéistes. Ils ont une bonne précision. Ils font ce qu'ils veulent à distance quoi. Juste pour voir. Oh oui. Vas-y, ton clé. Doren, fais-toi plaisir. Faut que tu montes à ton rang de devant. Alors, Doren, fais-toi plaisir. 15 dégâts, je passe à 39.
C'est quasiment le one shot, hein. Un point de magie, c'était one shoté, je crois. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est des mages. Je t'en prie, Soren. Fais-toi plaisir. Il t'a monté ta maîtrise, c'est le mieux. Il dit qu'il y avait une clé de coffre. Et Gilles. Et Gilles ira aider Art à ouvrir les coffres. Pas Art. Peters. Régen. Dommage, à un truc près, c'est... ça faisait un one shot, à un point de magie près. C'est dommage. J'ai oublié de ces deux utilisations de Tom au lieu d'un. Et voilà, il est rang S+. Voilà. Ah, toi aussi t'es réveillé ta torpeur légendaire. Et voilà, il est S+. Que je voulais. Ouh, de l'argent, oui. De l'argent. Bon, maintenant, tout ce qui me reste, bah, ça a défoncé tout ce beau monde, hein. J'ai envie de vous dire. Ce qui me reste à faire, c'est à débosser. Ça a défoncé tout ce beau monde, hein. Bon bah il tout le monde hein. Ça fera de l'XP pour 1000. Ah oh bah oui, double fric. Bon lui il a plus que des cures, j'ai pas le choix hein. Question, est-ce que je pourrais leur voler? Non, je pourrais pas voler le remède, y a rien à voler. Oui bah, y a par le silence, y a rien à voler. Je vois même pas pourquoi il a un pass. Et lui non, y a rien à voler, bon. Ouais, tu perds pas mal de précision quand même avec une lame tempête. Ça peut être un pari assez risqué. Bon, après, t'en as utilisation à l'infini, hop. Combien de précision t'as sans ça? Elle a quand même plus de précision. À peine 10. On en parle? On n'en parle pas? Ah ouais, elle a quasiment plus rien en épée. Elle. Ah ouais. Et cette meuf m'aura fait utiliser mes armes, mais à mort quoi. En même temps, t'as vu avec tous les mecs qu'il y avait sur cette map? C'est cool, tu l'as soigné, mais bon. Je ferai qu'un coup. Ah oui, il me restait qu'une utilisation. J'ai plus rien avec elle. J'ai tellement utilisé les armes avec elle qu'elle a plus rien, la pauvre. Il l'utilise à chaque fois, Ubik ou quoi? On en parle ou pas? Ah, il a utilisé deux fois de suite, hein. Ouais, la force, très bien. Bon, toi, tu vas aider Art à ouvrir tous les coffres. Ah, là, c'est des mecs un peu plus sensibles. Merlin, Merlin. Toi, tu peux heal au pire.
Non, normalement, les deux là, elles peuvent largement gérer les mecs là-bas. Largement. Il y a juste ceux qui ont un équipement de merde, en fait. Moi, ouais, bon, au bas, je t'ai pris juste parce qu'il fallait que je prenne quelqu'un. Bon, il y a quoi ici? Est-ce qu'il y a des trucs bien pétés? Genre... Non, il n'y a rien de super pété. Ça m'arrange. On va juste faire un petit truc. Juste besoin de ton marteau. Hein. Salut Nasser, comment vas-tu? Non, et Fléau, tu comptes utiliser un jour sur cette map, Iters? Non, parce que depuis le début, t'as pas utilisé une seule fois. C'est assez embêtant. Non, je suis en cours. S'il y a des bots, vu que j'ai ouvert tous les autres coffres, ça doit être dans les deux coffres là-bas. Et de toute manière, comme la map se finit que quand j'ai fini de tuer tout le monde. Apparemment, t'as l'air de connaître le jeu, savoir ce qu'il y a dans les coffres. Adepte ou pas adepte? Ou faisceau? Adepte. Ah. Bah non, je ne connais pas les objets cachés. Je ne connais pas du tout les objets cachés, donc j'ai déjà fait le jeu, mais après je connais pas toutes les arcanes, les items secrets du jeu. Ah, la détresse, ça fait 39. Au cas où il me faut un coup critique, on va faire gaffe. Allons voir ça vite fait. Bon, si je lag, c'est normal. Hermès Forest. J'ai tapé le nom de ton site, ça a rien donné. Ah d'accord, c'est... Ah, Seren Forest.
C'est Serene. Voilà pourquoi je trouvais pas, c'est Serene Forest. C'est Serene Forest. T'étais pas loin, mais t'avais oublié un E. J'ai oublié un E. Je suis à quel chapitre? Où est le truc? Média, thème caché, Zelda Story, machin, c'est pas ça. World Maps, machin. Hidden Treasure, voilà. C'est marqué Maelstrom, le bleu. L'objet caché, il serait donc... ici, t'as un item caché ici. Juste ici, d'après la map. J'ai trouvé, grâce à tes infos. Et juste ici, t'aurais un item caché. Mais c'est Maelstrom. Maelstrom, ça serait bot. Et ben... Ah, il a passé le déplacement. Ah, je suis baise. Il n'y a pas de bot. Mais tu m'as permis de trouver une compétence. Ah oui, mais c'est pour les des oiseaux. Et l'autre truc, c'est un coin. Donc c'est une pièce pour la forge. Et c'est censé être là. La map second. La map que j'ai secours, car normalement ici je suis censé trouver une pièce, mais je l'ai pas trouvée. Ah, au pire, pas grave. Ah oui, il peut m'attaquer avec la magie, lui. Je retiens ton site en tout cas. Même s'il y a des petites erreurs, puisque là, là où j'ai mis Gilles, c'est marqué que je suis censé obtenir une pièce. Ah, il y en a pas. Malheureusement. Quoique j'utilise pas la forge. Pourquoi merci? T'as rien fait? c'est à moi de te dire merci pour m'avoir donné. Pour le site. Ah, c'est toi qui me remercie. Ah, pas de logique. Ah oui, c'est vrai qu'avec les voleurs, c'est plus de chances de trouver. Oui, c'est vrai. Bah, je vais ouvrir mes coffres et j'essayerai après. Mes coffres seront la priorité. Bon, maintenant, faut que je massacre la gueule à tous. Bon, toi, t'as un marteau, donc... ouais, tu one-shot pas, malheureusement. Alors, peut-être que si. Peut-être one-shot. Attends. C'est moi ou... Il a gagné une case de portée. Ouais, mais le bas, je m'en fous en fait. C'est moi ou il a gagné une case de portée. Ah, en changeant de clé, il a gagné une case de portée. Ah,
putain, ça je m'en souvenais plus. Les archers, en passant en rang 3, ils gagnent une case de portée. Parce que c'est lui que je visais. Ah, attends, une deux cases. Un archer peut attaquer avec la deux cases. J'ai attaqué le mec là. Il peut attaquer qu'à deux cases avec un arc, t'es d'accord avec moi? Donc c'est lui que j'aurais dû viser, pas lui. Et l'arc de Rolf, ne portait ses deux cases, quoi. Et comme tous les autres... Comme tous les autres arcs. Donc... T'as gagné de la portée. Allez, mais faire sur lui, j'ai aucune chance de toucher, quoi. 57. Mais bon, on va quand même tenter. Bon bah colonne de 6, on fait tous les deux loupés. Oh bah oui, on fait louper deux fois en plus. Ah bah oui, le marteau, il a pas touché vu qu'il s'est loupé. C'est vrai, quand tu te loupes, t'utilise pas le marteau. Ma classe préférée? Bah j'en ai pas vraiment de préférée, c'est... J'ai des personnages préférés, mais j'ai pas de classe vraiment préférée en fait. C'est surtout les personnages en fait que j'aime bien. Bon, y a un truc que j'aime pas, c'est les laguses. Ça c'est sûr, j'aime pas les laguses. C'est trop pète couille. À part les rois, mais les rois ils sont trop pétés. Ce qui est pas drôle. Ah, la max c'est la technique quand même. Ah mais Hyde, depuis qu'il a changé de classe, mais il tape des level up de merde, il va rien maxer, le mec va réussir à être niveau 20, il aura aucune stat à fond. Après j'aime bien Hyde, j'aime bien Nefini, j'aime bien Mia, j'aime bien Iliana, j'aime bien Mikaya, Oh en fait beaucoup de personnages féminins. J'aime bien Gilles, mais là elle est un peu pourrie. Ah, merci pour l'huile. Après, j'aime bien niveau classe, j'aime bien le principe des espions et des épéistes, des escrimeurs, parce que j'adore les épées et les dagues. Simplement. C'est juste pour goût personnel, pour les armes en fait. Oui, le point de magie, c'est génial. Tu feras de grandes choses avec ton point de magie, mon petit Boyd. Tu feras de grandes choses. Ah, mais c'est le boss qui a silence. C'est vrai. Oh, une arbalète. C'est quoi la puissance de ce truc? Ah oui, 38 de... Ah oui! Ah oui, 38 de puissance quand même. Et une arbalète de base, ça a combien de puissance là? 28? Ouais, ça a juste 10 de puissance de plus quoi. Ah, allô! Alors ça, tu vois, t'équipes ça à un mage, pendant que Yun bénit toutes tes armes, et après t'as un mage pété. Il peut soigner toutes tes unités n'importe où sur la map. Soigne toutes les unités alliées à Wenzinan.
Et ça, c'est pété. Ça, je vais m'en servir, ça. Parce que la première fois que j'ai fait le jeu, je connaissais pas le truc de la bénédiction. Tu fous ça sur le bâton de heal. Ah, il pétait, il soigne tout le monde. T'es invincible quasiment. Ouais, mais moi, la première fois que j'ai fait le jeu, je savais pas le truc là. Parce que ça doit être la deuxième ou troisième fois que je fais le jeu. Et donc quand les armes ont été bénies, j'étais pas au courant, donc j'avais pas... Même le biorhythme. Donc je n'avais pas mis les meilleures armes sur mes personnages, j'avais rien mis, j'avais pas mis les armes héros, j'avais pas mis le Urvan, la Catalbog, toutes les armes pétées du jeu. Et donc en gros j'en avais chié sur la fin de... sur le fin de game. Ah, j'en avais chié pour tuer le boss de fin. Bon, je dis pas qui c'est pour pas spoil les gens qui regarderaient et connaissent pas le boss de fin. Ah oui, il utilise œil vif à chaque fois en fait. Ah oui, c'est juste pété en fait la compétence là. Ouais, si elle aura assez de maîtrise de d'épée pour pouvoir l'équiper. Si elle a assez de maîtrise, je veux bien lui donner. Si elle a pas assez de maîtrise, ça sera un personnage comme Mia qui le récupérera ou je sais pas qui. Non, alors à l'heure actuelle, mon Edward, c'est une sous-merde. Hein. Nasser, mon Edward, c'est une sous-merde. Hein. Je te ferai dire. Mon Edward, mais il s'est tapé des levels de merde. C'est affreux. Ah oui, j'ai plus de marteau, c'est vrai. On va tenter à la hache létale, tiens. On va tuer le boss parce que c'est le boss qui me fait le plus peur, en fait. À cause de sa magie. Ah non, mais moi... avec les personnages de Mikaya, la plupart... Ils sont pourris. La plupart, ils sont pourris. Vous, en vie. Un monde sans moi, c'est comme un ciel d'été sans soleil. Vos armes primitives ne peuvent rien face à toute ma splendeur et de pureté. Ma grâce effie toute concurrence. Je n'ai pas d'ennemi qui soit à la hauteur de ma grandeur. Je confirme, vous avez vraiment la folie des grandeurs. Allez, redescendez sur terre et faites vos prières. Oh, ni heal, allez, comme ça, tu peux pas utiliser tes compétences. Et tu t'es pas régène, c'est con. Oh, la musique. Pour le thème du boss, j'ai l'impression d'entendre une musique de Castlevania. J'ai l'impression d'entendre un thème de Castlevania, là. Putain, mais arrête de gagner un point de stat par un point de stat, Ike. Ça continue, Ike, je vais te donner des bonus d'XP pour que tu puisses gagner un minimum de trucs comme ça, parce que là, tu vas jamais rien maxer en 8 levels. Tant de splendeur que je ne pourrais pas posséder. À part ta connerie, je sais pas ce que tu possèdes, mec. Mutation parce que on sait jamais si décide d'attaquer Mist. On va pas gâcher un marteau, hein. Personnellement, ça servait à rien. Je one shot pas le mec. Il va se faire remplir donc. Pourquoi, désolé. Ah, mais eux, je les ai pas. Ah, mais cherchez pas, Ike va vous viol. Cherchez pas, les gars. Ok. Mais Ike, pitié, gagne plus que un point de stat par un point de stat. Pitié, Ike.
Ne demande pas la mer à boire, juste de gagner un peu plus de stats. Non, parce que depuis que t'as changé de classe, tu gagnes un point de stats par un point de stats. Et ça, c'est emmerdant. Fais-moi un level où tu gagnes toutes les stats. Pour me faire plaisir. Ah bah, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux comme level up, ça. Je rien maxé, hein. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas voler le remède. Elle est en rang combien de maîtrise d'épée? Ah, elle est rang A. Ah, elle est à fond. Ah putain, je pensais pas qu'elle était si haute en maîtrise d'épée. Ah, je pensais pas que je l'avais aussi bien montée. Oh mon dieu. Mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup à Mist de lui mettre la londite. Étant donné que, voilà quoi, niveau stat elle est pas pétée quoi. Niveau stat, elle est tout sauf pété quoi. Ça serait plus avantageux de mettre un personnage qui a quand même 22 de défense. Waouh, j'ai enfin fini cette map de merde. Waouh, j'en aurais chié. Eh ben voilà, c'est un très bon level ça, Mia. Ok, bah merci d'être passé, bonne fin de journée, à la prochaine. Ah non, il n'utilise pas à chaque fois, vif. Ça aurait été trop pété. La chance qu'il... Ça fait toujours un point de dégâts. J'ai envie de dire. Enfin fini cette map de merde. Enfin péri, je suis de cette map. Oh là là, j'ai tellement reset cette map de merde. Ouais, vitesse, défense, ça me va. Waouh. Bien, nous voilà enfin débarrassés d'eux. Il est tard, allons nous reposer. Mais dans tous ces lunettes, il n'y a pas un seul survivant. Ça doit être la volonté de la déesse. Mais vous êtes... Fiello, tu es vivant, je suis tellement heureux. Je ne veux pas vous parler. J'en déduis que tu connais la vérité. Ce que nous avons fait est monstrueux, je te jure que ce n'était pas mon idée. Je sais que les rats m'ont entreprise avec les autres sénateurs. Bah, à quoi bon, le mal est fait, pourquoi chercher à me justifier, Raphaël? Malgré tout, je suis très heureux que tu sois sain et sauf. Je t'en supplie, ne t'approche pas de la capitale, tu dois éviter de provoquer la colère de la déesse. Bien vu cet homme, n'est-ce pas un sénateur très influent? Il s'appelle Etzel, c'est le duc d'Asmin. À la vie. Hack, va-t-on parler plus tard? Raphaël a besoin de se reposer. Oui, bien sûr. Enfin, fini cette pape. Alors, vous deux, que faites-vous dans le coin? Ah, il dit pas tous les trois parce que Vika est morte. Tu vas pas me croire, mais j'ai fait un rêve. Tu as fait un rêve? Oui, un rêve bizarre juste après que la lumière a changé tout le monde en statue. Je m'en souviens vaguement, mais il y avait une voix dans la tête, une voix qui m'encourageait. À mon réveil, je savais ce que je devais faire.
J'ai vu les rescapés du jugement divin marcher en direction de la tour sacrée dans cette tour. Nous avons sauvé le monde. Dans cette tour, nous avons sauvé le monde. J'ai exactement le même rêve. J'ai pensé que c'était une révélation divine. Nous avons donc quitté le désert pour nous rendre à la tour sacrée. Dieu n'est probablement derrière tout ça. À mon avis, sa manière de recruter des hommes. La déesse du chaos emploie des méthodes assez particulières. Yun, n'est-ce pas le dieu maléfique dont tout le monde parle? J'aurais pas dû l'écouter alors. Eh bien, une force mystérieuse me dit de laisser Yun nous guider. C'est probablement comme le rêve que tu viens de nous décrire. On sait que les Aegus ont une intuition très développée. Je suis convaincu que Yun est la déesse de nos ancêtres. Bien, tout s'explique. C'est... Hop! Est-ce que tu te sens mieux? Oui, merci, je suis de t'avoir causé. C'est juste très chaud. Ne t'en fais pas, est-ce que ça te dérangerait de m'en parler? J'aimerais savoir qui est cette... s'est passé entre cet humain. Ça s'appelle Tsel. Cela s'est passé un peu avant le massacre de Seren. Je me prenais seul à l'orée de la forêt quand les marchands d'esclaves m'ont capturé. Ils m'ont vendu au plus offrant, c'est-à-dire au sénateur Tsel. Je l'ai su plus tard, je l'ai su que plus tard, mais les enchères étaient vives. Les sénateurs voulaient m'acheter. Pour m'acquérir, Tsel a dépensé une grande partie de sa fortune. Il m'a emmené chez lui, puis je suis tombé gravement malade parce que j'espérais de retrouver ma famille et mon pays. Etzel était profondément troublé de me voir dans cet état. Il m'a emmené dans un temple où il a passé plusieurs jours à me soigner. Il m'a sauvé la vie, c'est indéniable, mais mes ailes ne sont jamais remises. Je ne peux plus voler depuis ce moment. Etzel était rongé par les remords. Parce qu'il m'a dit, quand tu seras complètement guéri, je te laisserai rentrer chez toi dans la forêt. Les ronds peuvent vivre dans le cœur des gens. Je savais qu'Etzel était sérieux. La nature était franc avec moi. J'avais confiance en lui. Il y a eu le massacre de Seren. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise pour ressentir la souffrance de mes frères. Etzel ne nous a jamais rien dit, mais je savais que les sénateurs avaient assassiné l'apôtre et accusé mon clan. Mon peuple a été réduit en cendres à cause des ambitions monstrueuses de quelques hommes. Elle. Cette nuit-là, je suis retourné au temple. Là-bas, il m'est arrivé quelque chose d'étrange, une force mystérieuse s'est emparée de moi. J'ai perdu connaissance pour me réveiller tendu au terre. Sans la reine est là, je serais mort. Je n'avais même pas remarqué à quel point je m'étais éloigné de chez moi. Cet homme est donc à la fois ton sauveur et ton ennemi. Etzel n'était pas directement impliqué dans ce commerce illicite. Les ordres venaient d'ailleurs. Cependant, quelque chose en lui me dérangeait son cœur et envahi par le chaos. Si comme lui, mon être est troublé par des sentiments identiques. Voilà pourquoi je ne peux pas lui en vouloir. Mon peuple a changé, lui aussi. Tibarn, qui tout le temps crée une ligne, ne ressemble pas aux autres hérons. Oui, ça m'a fait sauter en les voyant. Ils sont si résistants et à présent, ils brillent de vitalité. Je me demande si le chaos est vraiment aussi néfaste qu'on le dit, n'est-ce pas? Je commence à croire qu'il faut trouver un juste milieu entre l'ordre et le chaos. Le monde serait plus beau, non? Peut-être, je crois que certaines choses dépassent notre entendement et c'est mieux ainsi. Le groupe de Tibarn traverse rapidement Salmo et se rapproche à grands pas de la capitale impériale. Les épreuves qu'ils ont dû surmonter ensemble ont effacé leurs différences ethniques et établi un lien de confiance fort. Almeda, la reine-mère de Daïn, reste cependant plongée dans ses pensées. Dommage qu'il est parti, il verra à quel point mon Edward est pou... Vous savez si sa majesté Amilda va bien? Le chant de raison semble l'avoir calmé. Je vois. Au début, je pouvais pas croire qu'elle était la fille de ce vieux lézard. Même moi, j'avais du mal à la maîtriser. À présent, je sais qu'elle est plus qu'une simple Béorc. Oui, la ressemblance entre Amilda et Kurtaga est frappante. Ils ont les mêmes traits et la même façon de se comporter. C'est donc ainsi que les Béorcs reconnaissent les membres d'une même famille. L'Aguse, les repères aux odeurs. D'ailleurs, quelque chose me dérange chez Almeda. Elle n'a pas d'odeur comme si elle n'appartenait à aucune race. En fait, j'ai un peu discuté avec elle. Elle m'a dit que ses pouvoirs l'ont quittée lorsqu'elle est tombée enceinte. Intéressant. Que nous avons toujours pris pour une légende est donc vrai. Quelle légende s'agit-il? La déesse aurait interdit à toute union entre Lagus et Béorc. En cas d'accomplement, les parents Lagus seraient punis. Peu importe qu'il soit mâle ou femelle, et Lagus perdrait tous ses pouvoirs pour n'appartenir à aucune des deux espèces. Que vous avez entendu? Hé, qui va là? L'arme? Puisqu'elle en dit vrai, je dois empêcher la reine de créa de pervertir l'honorable roi des faucons. N'est-ce pas, votre majesté? Mais qui? Veuillez pardonner l'heure tardive à laquelle je rejoins votre société. Il est extrêmement difficile de respecter les commandants en temps de guerre. Bastien!
Je me suis absenté trop longtemps, votre majesté. Je réitère mes excuses les plus sincères. Et ma co est en PLS. Oh, vous semblez aller bien. Tant inquiéter pour vous. Pardonnez-moi de vous interrompre ces retrouvailles moindres, mais diante. Étiez-vous passé, monsieur me casse les oreilles. Bon, plus sérieusement, pourquoi tu faisais le mort? Il existe des explications, allez, j'écoute. J'imagine que la patience ne figure pas parmi vos vertus, prompt croyez faucon. Je vous expliquerai tout, n'ayez crainte. Mais d'abord, je dois m'assurer d'être entendu de vos seules oreilles. Serait-ce illégalement possible de faire venir ce monsieur prince aux ailes d'un blanc si pur? Je vais chercher raison, c'est ça, d'accord, mais s'il te plaît, essaie d'abréger quand tu parles, d'accord? Hélas, patience, il n'est comme ça. Il dit en différence ce que nous disons en une seule. Ah, ma chère et tendre Lucia, j'ai tant de peine lorsqu'il y a eu toutes ces larmes que vous avez dû verser pendant mon absence. De rien, à présent, car je suis là, pleurer pour extérioriser la joie commensurable de me revoir sain et sauf. Ton optimisme est affligeant, Bastien. Geoffrey, c'est vraiment vous? Oui. Geoffrey, vous aussi, vous êtes vivant? Votre Majesté, je fais le serment de ne jamais plus vous quitter. Oh, je suis si heureuse. Bonsoir. Ah, je vous ai déjà dit de pas... Volk, je vous ai déjà dit de faire plus de bruit quand vous approchez de moi. Moi, je vais essayer, je vous présente Volk. Volk est un espion employé par Bastien. Il a travaillé pour Hag pendant la guerre d'Ashtar et... Notre prisonnier s'est enfui. Il s'est enfui, non, nous devons le retrouver. Partez bientôt à sa recherche. Ça ne sera pas gratuit, ce service vous coûtera 2000 écus. C'est pas un problème, il s'agit de procéder rapidement. Compris. Ne m'en voulez pas, mais je dois annuler cette réunion. Nous avons une affaire urgente avec les pourriez-vous revenir lorsque nous capturons Sophia? Sans problème, de toute façon, je n'aime pas rester dans le noir. Nous réunirons plus tard. Geoffrey, pouvez-vous m'aider? J'aimerais l'amener à la carriole. Christian, c'est qui est cet homme vêtu d'une cape noire? Justement, je me posais la question. Pas à peine de leur demander. Je connais Bastien et mon frère, ils nous disent rien. Même Geoffrey, pour toi, il ne me cache jamais rien. Entre un mystérieux prisonnier qui s'enfuit un homme drapé noir, cela fait beaucoup de secrets en une seule nuit, non? Ah, elle a maxé 2 stats, elle! Elle a 3 stats! Oh bon, on va faire XP à la base. Hein. Rien. Là, t'as maxé 2 stats, donc au pire, ça peut être intéressant de faire remonter dans la base. Toi aussi, ah oui, toi très très beaucoup même. Hop, bon. Thank you.
Toi, on s'en fout. Toi, t'as l'équipement. Toi, prends tes équipements. Comme dans l'embarras, je sais que ce n'est pas votre problème, mais nous avons trouvé un homme qui s'enfuit l'année dernière. La gueule nous serait une grande aide. Comptez sur moi, je vais même me dégourdir les jambes avant le déjeuner. Merci Arne, suivez-moi s'il vous plaît. Va-t-il que vous debout si bonne heure? Dissibdor serait-il venu nous attaquer? Non, il ne s'agit pas de Dissibdor. Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Geoffrey, attends, mais où va-t-il? Suivons-les. Ah, Izuka. Bastien, que se passe-t-il? La phrase d'exil une réponse précise. Votre Majesté, Lucia, que faites-vous ici? Ce n'est pas important. Expliquez-nous plutôt que ces sauvages font ici. Oui, cet homme ignoble, c'est le maître. C'est lui qui les mène à la baguette. Il sert de sa sinistre magie pour être contre les pauvres lagus qui ont été transformés en sauvages. Nous l'avions capturé et s'est échappé hier et va bien de le retrouver. Il s'agit d'Izuka. Il a mis au point le poison qui transforme les lagus en sauvages. Quoi, c'est le bourreau qui torture mes semblables? Ta mort sera lente et douloureuse. Des cris d'agonie seront entendus à Fuensis Galia et même à Goldoa. De me traîner comme si j'étais un savant fou! Vous travaillez à faire triompher l'humanité! Ignoble, moi! Mes enfants, mon traîneur, l'étendue de mon génie! Défendez mon honneur avec vos griffes et vos crocs! Ça a perdu la raison, nous devons le battre, même mettre un terme à sa folie. A mon avis, Bastien sera très utile. Ouais, alors j'ai envie de te dire, toi, je t'aime pas, hein. Bastien sera très utile vu qu'il maîtrise tous les sorts élémentaires contre les lagus, ça va être très pété. J'aimerais bien prendre Geoffrey. Et j'ai oublié de faire l'XP bonus au passage. Home, je te garde, Meg, toi je te garde, toi je te garde. Général à la lance. Faut garder Meg. Bon, on va garder Meg parce que voilà. On va enlever Toroneo pour mettre lui. Retourner au camp. Bah, elle a massé deux stats quoi. Elle a massé trois stats donc c'est. Voilà. Ouais, bon, c'est pour gagner de la magie. C'est plutôt pour que tu tapes dans la défense. Ouais, t'as gagné des stats de merde. C'est sympa. Merci, Lucien. La vitesse, ça c'est bien. Ah, bien aimé que tu gagnes un point de défense, mais bon. Voilà, le dernier level était merde. Ah oui, d'accord, la meuf elle a maxé 4 stats. Au calme. Ah pourquoi pas, hein? Là, la défense, ça c'est good. La magie aux F. La défense. Et
C'est bien, il a gagné plein de points de défense. C'est ce qui manquait à Ziark, c'était quand même un minimum de défense. Parfait. Ok, force à fond, technique à fond, vitesse à fond, résistance à fond. M'étonne que je vois gagner avec de la magie, il avait maxé tout le reste. La Geoffrey, au pire, lui, il a deux stats. Je vais faire quoi? Oui, objet. Pour Khalil. C'est là-dessus parce que de toute manière il me reste aller on va dire une demi-heure de live à faire et j'ai pas envie de commencer une map et l'arrêter là. Je vais juste voir la formation. Ouais, tiens, est bien carré des trucs. Tac, les mages vont être très importants sur cette map. Ainsia peut parler à Volk et Bastien, ok. Faudrait que je voie si on peut le recruter. Je puisse le couper. On va voir ses stats juste pour le lol. Ah, il peut pas gagner d'XP? Ok, d'accord. Ah, lui, il a meurtrier. Ah oui, non, lui, il a meurtrier. Ah oui, il est pété, en fait, lui. Hein. J'ai envie de te dire. Même s'il peut plus gagner d'XP, il est pété. Ah, c'est peut-être parce que c'est une unité verte. C'est peut-être pour ça qu'il peut pas gagner d'XP. Ah oui, mais il est pété. Meurtrier, c'est... Et en fait, lui, il est assassin, alors que l'autre est juste espion. En fait, il y a la classe assassin dans le jeu. Donc, sur ce jeu, c'est de regarder. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Sur ce, salut, salut.